Salut, salut la team. Allez, c'est parti. Après pour une nouvelle vidéo. 300 mètres, tournez à gauche. Bah, bonjour déjà mes petits abonnés du nord de la France. Là, je suis à côté de Lille. Je suis à Villeneuve-d'Ascq et je viens de vider et je vais charger en Belgique à Heule. H-A-H-E-U-L-E. Salut la team, salut à tous. Dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai vidé dans le nord de la France, là, à Villeneuve-d'Ascq. Alors, un petit coucou déjà à mes abonnés du nord. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vais charger en Belgique, à la frontière franco-belge. Alors, un petit coucou à mes amis belges, à mes abonnés aussi de Belgique. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Allez, n'hésitez pas à liker, partager et abonne-toi si t'es pas abonné. Donc je suis dans le nord, la team, dans le nord. Dans le nord et direction la Belgique. Tournez à gauche. Tourcoing, Gand. Bête ici parce que le feu il est au vert des deux côtés. Bon, faut pas chercher à comprendre. Bon, moi j'espère que vous allez bien, team. Moi ça va, ça roule. Après 400 mètres, tenez la gauche. Oui, Sophie. Alors, on sort de Villeneuve-d'Ascq, on va prendre la direction de la Belgique une fois. Ah là 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 là, direction Gand-Tourcoing. Ah, je suis pas loin, hein. Je suis à 38 km là de chez mon client en Belgique. C'est vraiment à la frontière franco-belge, on va dire. Après 800 mètres, tenez la gauche. Ah. Il pleut. Tenez. Regardez. La gauche. On va passer devant le stade de Lille. Le beau stade de Pierre Mauroy. Mais nous on est livré derrière le stade Pierre Mauroy. Enfin à côté, pas très loin. On est sur la nationale 227.
C'est le Nord. Bienvenue chez les ch'tis. Sur ces camions-là, on a un freinage d'urgence et là ça va, il s'est pas déclenché, mais des fois ça se déclenche et le camion il se met à freiner tout seul. Alors, quand vous avez le freinage d'urgence qui se met sur le camion, je peux vous garantir que ça vous fait tout drôle parce que vous y attendez pas.
frontière. Bon, bah nous, on n'a pas été contrôlés. Donc, on va suivre notre route. Poursuivre notre route. Belgique, bonjour à mes abonnés de Belgique, vous êtes nombreux en Belgique à me suivre, merci à vous. Nous on va sortir direction Bruges dans 2 600 km. Sortir là, direction la A17, A19, E403.
sortie là. Cortridge. Prenez la sortie, puis prenez la sortie. Tenez la gauche. On tourne complètement à gauche pour tourner à gauche. C'est quoi ce bordel? Première fois que je vois ça sur une autoroute. Hein.
prenez la sortie, puis prenez la deuxième à droite. Tournez à droite. On arrive à 2 km. Nous sommes en Belgique. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Par ici. Il y a des pavés par ici. On va chez One Floor. Après 200 mètres, tournez à droite, puis prenez la deuxième à droite. Tournez à droite, puis prenez la deuxième à droite. Après 200 mètres, tournez à droite, puis tournez à droite. Tiens, c'est marrant par là. Tournez à droite, puis tournez à droite. Tournez à droite, puis tournez à droite. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Tournez à droite, puis tournez à gauche.
Anne-Flore Europe. Oh, mais il me semble que j'ai jamais eu par là. Ça me dit quelque chose. Après 80 mètres, tournez à gauche. Puis, vous êtes arrivé. Par ici. Bon alors c'est pas de ce côté là, c'est derrière le bâtiment. Faut savoir. Il doit y avoir plusieurs boutiques là-dedans. C'est derrière le bâtiment qu'elle m'a dit. Qui m'a dit monsieur. C'est Volis, donc c'est pas là. Réception Volis, c'est pas ça. TFE. Ah, il y a plusieurs boutiques là-dedans, c'est ça? Il m'a dit, c'est à l'opposé. C'était donc mon client là-dedans. One floor. Ça doit être quelque chose comme ça. Ça doit être quelque part par là. On va aller voir là-dedans. Bon, alors, ça y est, la team, on est chargé. J'ai fait ma coupure. Après que j'ai chargé, bien sûr. Là, je repars chez le client. À la fin de la route, tournez à gauche. Et puis, la place. Dirigez-vous vers la droite. Donc, du coup, je suis chargé.
suis chargé assez lourd quand même, hein, presque 23 tonnes. Là, on repart, tranquille. Tournez à gauche, puis dirigez-vous vers la droite. Oui, ben on va repartir par où on est venu. Hein. Je pensais qu'on pouvait prendre à droite, c'était plus court, mais non. Il faut passer par la... On va tranquille, hein, on va repartir tranquille, on va rentrer vers l'Oise. En plus, c'est pas moi qui ai livré ce que j'ai chargé parce que demain je ne suis pas là. Je vais passer ma visite poids lourd pour le permis de conduire, le renouvellement du permis de conduire tous les 5 ans. Donc c'est à faire avant le 17 décembre et du coup bah, j'ai rendez-vous demain. Après 200 mètres, dirigez-vous vers la droite. Chez un, comment que ça s'appelle, un médecin spécialisé dans les permis de conduire. Non, je tourne pas à droite là, qu'est-ce que tu me fais toi? C'est interdit aux 5 tonnes. Dirigez-vous vers la droite. Et non, on tourne à gauche là. Ensuite, on va par où là? Je sais plus d'où je suis arrivé moi. Ouais, c'est par là, je crois. On est arrivé de par là. Je suis en train de regarder un petit peu là,
c'est que ça nous mène tout ça? À la fin de la route, tournez à droite, puis tournez à gauche. Alors là, on va tourner à droite, de toute façon, on n'a pas le choix. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Donc là, on va tourner à droite, oui. C'est par là que je suis venu tout à l'heure. Donc nous allons tourner à droite ici. On va prendre l'arche parce que... Et ensuite, on va tourner à gauche à 200 mètres. Il y a le camion blanc qui tourne. Après 100 mètres, tournez à gauche, puis tournez à gauche. Tournez à gauche. J'ai puis vu le monsieur appuyer sur le bouton pour mettre le feu au rouge. Bonjour monsieur, monsieur le belge. C'est peut-être un abonné à moi, allez savoir. Allez, on va tourner là, tranquillement. On tourne à gauche pour retourner à gauche. Tournez à gauche, puis tenez la gauche. Après 200 mètres, tenez la gauche. Il s'éteint tout seul.
ça fait plusieurs jours qu'il déconne, faut que je le ramène, il est sous garantie. À chaque fois j'oublie de le prendre. Bye bye.